un chantier emblématique qui était attendu par tous les usagers de ce sport. Ces travaux ont été relativement importants puisqu'il y a plus de 180 000 euros de travaux qui ont été menés. Ils ont été conduits par l'entreprise Vuesa et sous la direction du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Alors maintenant, nous attaquer aux berges du port pour que les bateaux soient sécurisés. Donc il est prévu un premier chantier de 70 mètres. L'idée première a toujours été, tout en adhérant au syndicat des ports du bassin d'Arcachon, c'était de faire valoir la spécificité du port de Biganos et du port des Tuiles.